500 000 d'Indianapolis. Regardez comment ça s'est passé. Carpentier amorce le 24e tour et perd le contrôle de sa monoplace pour heurter le mur extérieur. Le choc a été assez violent. Patrick Carpentier a eu besoin d'aide pour sortir de sa monoplace, mais heureusement, il n'a pas subi de blessures graves. Il s'est rendu à l'hôpital, mais il a obtenu son congé. Il a pu rentrer à la maison. Le pilote québécois de 39 ans sera à Montréal au mois d'août pour participer à l'épreuve NASCAR. Et l'Allemand, Sébastien Vettel.